sur le plateau du journal de la Route du Rhum, 11e édition, 40e anniversaire, avec, on le disait tout à l'heure, donc juste avant la pause, avec la position des autres Guadeloupéens sur l'épreuve. Alors, on a déjà parlé de Thibaut Bouchard-Camus, Carl Chipotel, Rodolphe Seyfaud. Alors, ceux qui sont toujours en course, Luc Coquelin, qui fait une très belle course en vieux de mer. Mauvais temps, le bateau est solide, il le connaît, ça fait sa 6e Route du Rhum avec le même bateau, donc il le connaît très bien, c'est normal, un petit peu normal qu'il soit là. Ensuite, nous avons une bonne nouvelle, c'est celle de Dominique Rivard, qui s'était blessé au genou, qui était rentré, s'est fait soigner, et il repart samedi. J'explique pourquoi que samedi. Ce n'est pas à cause de son genou, mais c'est parce que c'est la fenêtre météo la plus favorable. Avant, il y a une grosse dépression sur l'Espagne, c'est pas la peine qu'il ait encore des problèmes. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de Willy Bissett. Malheureusement, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il en est, mais je suis certain, d'après les petites infos que j'ai, c'est qu'il se bat pour rallier Pointe-à-Pitre. Nous avons Damien, qui est 9e dans la catégorie des IMOCA. Il fait une très belle course, magnifique. Vous l'avez entendu en interview tout à l'heure. Et Ducosson, qui est sur le bateau d'Anne Cazeneuve, qui lui est rentré en Espagne pour pouvoir réparer les petits bobos qu'il a eu sur son bateau. Merci Jean-Daniel. On va écouter une nouvelle série de réactions des skippers sur cette Route du Rhum destination Guadeloupe. L'île que vous voyez derrière moi, c'est Madère. On arrive à Madère. C'était pas le plan initial prévu au début. On pensait pas avoir à descendre aussi sud, mais les éléments nous ont un peu contraints et forcés. Donc, voilà, Madère. J'y ai un excellent souvenir, enfin un drôle de souvenir qui ressemble un peu à ce qu'on a vécu. Ces jours-ci, c'était en 2000, sur une 30 à G2R. On s'était pris énorme de vent et on avait mis je sais plus combien de temps à y rejoindre Lorient Madère. Première étape de la G2R avec Roland Guérin. On est arrivé, on avait plein de boutons partout. Bon là, c'était aussi dur mais un peu moins long. Comme quoi, on oublie vite. Hein. Voilà, on arrive dans matin demain à Qashqai, donc j'essaie d'arriver le plus vite possible. Là, j'ai renvoyé le deuxième riz là sur la drisse, donc on n'est pas sur le hook, on est sur la drisse, mais ça a l'air de tenir, il y a moins de vent et je veux arriver vite parce que et réparer vite surtout pour repartir le plus vite possible de Qashqai, peut-être rester 3 ou 4 heures à peine, j'espère pas plus, pour repartir peut-être à midi, 12h TU. Parce qu'il y a peut-être une option, plus je pars tôt pour enquiller plein sud. Avant que. Je sais pas si vous voyez bien l'écran là. Donc l'option sud là c'est de partir pour aller se mettre sous l'anticyclone des Açores et faire la cuillère dans les alizés dessous. Les premiers sont là, donc obligatoirement ils vont me buter un peu là, mais. Ça fait du bien d'être optimiste, hein. je les rattraperai pas, mais peut-être que je vais minimiser mon retard. Ce qui serait pas mal. On va rester optimiste parce que c'est vraiment con d'avoir passé cette pièce de groupe de grand voile, mais ça fait partie de notre sport. Et on vient de voir la carte, les premiers arrivés, le premier devrait couper la ligne d'arrivée à quel moment à peu près? Le premier devrait être en approche de la Guadeloupe, à mon avis, samedi dans la journée. Et bon, il ne faut pas oublier qu'il doit passer la bouée de Basse-Terre, on ne sait pas comment ça va se passer sur la côte sous le vent. Et donc on verra ça entre samedi et dimanche. Donc il sera encore dans le temps du record, évidemment. Tu peux rappeler le record ? 7 jours, 15 heures, 32... 8 minutes, 32 secondes, c'est ça ? Voilà, exactement, très bien. Bravo, Willy. 7 jours, 15 heures, 8 minutes, 32 secondes. Voilà.
Donc, on est encore dans les temps. On est encore dans les temps. Nous espérons que ce sera Gaba, comme, vu la course qu'il fait, la merveilleuse course qu'il fait. Mais tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, rien n'est gagné. Il y a les sargasses. On ne sait pas ce qui peut les attendre au niveau de l'approche de la Guadeloupe. C'est ce qui est intéressant sur cette course. Rien n'est gagné à l'avance. Il y a des favoris, comme dans toutes les compétitions. Mais la vérité, c'est sur les flots, j'ai envie de dire. Pour ce qui concerne Manuel Cousin, c'est exactement la même chose. On a pu capter sa vacation. Bonjour à tous. Je voulais vous donner quelques news du groupe 7-1, les Bocas groupe 7-1. Donc, on a eu une avarie de Safran, comme j'ai expliqué. Pièce qui est là, qui sert à relever ou mettre le safran en place et à tenir le safran en place. Donc c'est cette pièce qui a cassé la première nuit de navigation dans le premier front. Donc j'ai été obligé de rentrer ici à Camaret pour m'abriter afin de réparer. Et malheureusement, je devais repartir ce matin, mais au vu des conditions météo annoncées, aujourd'hui et surtout vendredi dans le golfe de Gascogne, ce qui vont être des conditions très dures avec des vents de 50 nœuds et une mer vraiment très forte. La direction de course nous a suggéré de rester au chaud, on va dire. Et il est clair que moi, c'est pareil, au vu des conditions météo, je vais attendre un départ plutôt donc, ce week-end. Donc on met tout en œuvre, le bateau est prêt, lui ça y est, c'est bon, le bonhomme il est prêt aussi. Malheureusement, on attend une meilleure météo pour partir, pour ne pas prendre de risques et ce coup-ci aller d'une traite jusqu'au bout en Guadeloupe pour la route du Rhum. A bientôt, ciao ciao. Cette interview, cette vacation, Jean-Daniel, confirme tout ce que tu nous disais il y a 2-3 jours, que le premier pourrait couper la ligne d'arrivée alors que une partie de la flotte serait encore à l'abri à cause de ce mauvais temps. Voilà, parce que comme il vient de dire, il est encore bloqué. Le comité de course n'impose pas, mais suggère fortement de ne pas partir, d'attendre parce qu'il y a une grosse dépression sur le nord de l'Espagne. C'est le principe de précaution. Absolument. Et donc, il faut aussi préciser que la ligne d'arrivée sera fermée 5 jours plus tard que la date prévue. À cause des événements qui se sont passés, les 3 dépressions multiples, et qui fait que beaucoup de gens sont restés à l'abri. Allez, qu'en pense Romain Attanasio? La réponse en images. Romain, est-ce que tu peux revenir sur ton avarie il y a 2 nuits? Ouais, déjà, je suis bien content d'être à Port-la-Forêt parce que c'était pas gagné quand je vois la météo qu'il y avait il y a encore 2 heures. Donc là, on est au ponton, tout est calme, enfin, après 3 jours de tempête. C'était la nuit d'avant, en fait, il y avait dans le fort du coup de vent auprès. J'ai déchiré la voile d'avant, le J3 qui est la plus petite voile d'avant, et elle s'est mise à se déchirer. Donc je suis allé devant, j'ai abattu, parti en vent arrière pour la faler. Là, déjà la roulait, mais elle roulait très mal parce qu'elle était déchirée. La met dans la soute, et à ce moment-là, le bateau a été pris par une vague par l'arrière et a été projeté sur l'autre bord. Et la grand voile a empanné, et en empannant, elle a cassé le J3 qui est le J3, c'est la partie la plus petite de la grand voile qui sert à naviguer dans la tempête. Donc j'avais plus de voile de tempête, en fait je pouvais plus rien faire, ni de voile d'avant. Alors j'avais le tourmentin, mais j'ai essayé de le mettre, mais il était tout entortillé dans les bouts qui sont restés coincés là-haut du J3, donc je pouvais pas. Donc là à un moment j'avais plus de solution, il fallait que je fasse du vent arrière, et il fallait la grand voile et partir en vent arrière pour revenir réparer ici. En langage pour le commun des mortels, le bout c'est quoi? Le bout c'est une corde. Voilà, c'est tout une simplement. Corde, c'est tout simplement. Allez, comme chaque jour, avant de clôturer le journal de cette route du Rhum Destination Guadeloupe, 11e édition, 40e anniversaire, voyons quelles sont les positions des différentes catégories. Alors, en ultime, et de façon au classement scratch, mais c'est François Gabin qui mène la danse. En multi-50, les petits trimarans, c'est notre malouin guadeloupéen Thibaut Bouchel-Camus. Ensuite, en Imoca, c'est Monsieur Alex Thompson sur le bateau noir Hugo Boss. Ensuite, en classe 40, c'est Richomme, toujours 3 jours. Ça fait 3 jours qu'il est en tête. En Rome multi, Pierre Antoine, qui mène la danse. Et en Rome mono, Sidney Gavinet, qui mène la danse aussi depuis 3 jours.
Le premier devrait être là. À quel moment nous as-tu dit ? Je pense qu'il sera en approche. En contenu, il reste 1 500 000 à Gabar, qui est à 1 600 000. Si actuellement, il fait des moyennes de 400, entre 400 et 500 000 par jour. Voilà, ça fait, il va augmenter les moyennes, donc il devrait être en approche de la Guadeloupe aux alentours de samedi. Et on rappelle toujours, chapitre des rappels, on rappelle où se situe cette fameuse ligne d'arrivée. Alors la ligne d'arrivée n'est pas devant le Memorial Arch, elle est à l'extérieur du chenal avant de rentrer dans le chenal de Pointe-à-Pitre, légèrement sur la droite, un peu en face de Grand Bay. Il y a une bouée et un bateau jury sur lequel il y a des commissaires qui montent à bord du bateau une fois que le concurrent a passé la ligne. Alors comment ça se matérialise ? Il y a un sonore, il y a un baisser de drapeau, c'est quoi ? Il y a un coup de sirène qui signale l'arrivée. Un coup de sirène pour matérialiser cette arrivée, une arrivée que vous pourrez suivre également sur notre antenne, bien évidemment, si vous nous faites l'amitié de suivre le journal de la Route du Rhum Destination Guadeloupe avec nous. Et si vous voulez être bien informé grâce aux commentaires de notre consultant Jean-Daniel Tonton JD Arnaud. Et encore une fois, nous saluons nos téléspectateurs en Guyane, particulièrement en Martinique, mais bien évidemment, vous qui êtes là tous les jours en Guadeloupe. Passez une très très belle fin de soirée sur notre antenne. On se retrouve dès demain. Bon vent.